J'ai décidé de vous lire mon livre Un cœur quatre pattes. Les premiers rayons de soleil me réchauffent. Allez Jacobi, mon petit cœur debout, nous avons du travail à faire. Allongez mollement sur un coussin, j'entends à nouveau sa voix douce. Madame Eve me rappelle au devoir. Aussitôt, je bondis comme un ressort. Je suis très excitée car aujourd'hui pour moi, c'est la rentrée des classes. Je suis Jacobi et j'adore aller à l'école. Je vais à l'école, la vraie. Une école avec des enfants, comme toi. Mais parfois, comme toi, j'aime aussi flaner le matin. Allez, Jacobi !» répète Madame Eve en m'embrassant tendrement. Oh! Mes oreilles deviennent droites, mon cœur tambourine d'excitation. Viens, mon grand toutou! lance-t-elle en attachant ma laisse. Chaque matin, ma journée commence par une petite marche chantée. Ça me ravicote. Voilà, tu l'as sûrement deviné maintenant. Je suis un grand chien doré, au poil doux, comme de la soie. Nous faisons une marche vigoureuse, puis rentrons pour le petit déjeuner. Madame Eve dit que c'est le repas le plus important de la journée. Elle n'a pas à me convaincre, j'ai toujours un gros appétit. Ensuite, elle me brosse les dents, peigne mon poil et boucle un foulard spécial autour de mon cou. Ce foulard annonce que j'assiste Madame Eve dans son travail. Je suis très fière, car ce ne sont pas tous les chiens qui peuvent se rendre à l'école. Wow! Tu es super beau, mon Jacobi! ajoute-t-elle. Oh! J'aime ça quand Madame Eve me fait des compliments. Je deviens tout excitée. Ma queue va dans tous les sens. Il me semble que mon cœur sourit. Tu sais, je suis très chanceux. J'ai une maîtresse qui m'aime beaucoup. Elle s'occupe bien de moi. J'accomplis toutes les tâches qu'elle me demande. Assis, couché, reste, donne la patte. C'est pourquoi je peux l'accompagner au travail. Elle dit que je suis son assistant. J'ai dû apprendre à rester calme et surtout à être à l'écoute des enfants. Bon, c'est en quarante-cinq, il est temps de partir. Nous voulons arriver à l'heure. Madame Eve met son sac de travail sur l'épaule. Elle prend la laisse et nous voilà partis. Ça fait deux ans déjà que je vais à l'école. Je n'apprendrai jamais à lire, bien sûr. Mais souvent les enfants me lisent des histoires. J'adore les écouter et ça leur permet de s'exercer. Je monte dans la voiture et pendant un moment, j'hésite. Je suis inquiet. J'ai trop chaud. J'ai juste envie de me cacher sous le siège. Si les enfants m'avaient oublié, ou bien, si moi, j'oubliais mes entraînements et mes bonnes manières, je pourrais faire une gaffe, japper, faire pipi au mauvais endroit, sauter de joie sur un petit et alors tout gâcher. Madame Eve me regarde et sourit. Jacoby, souviens-toi de tout ce que nous avons appris. Une bonne grande respiration, ballon. Le nez inspire, puis le museau expire. Allez, à fond, une autre fois. Le nez inspire, et le museau expire. Ah, je me sens déjà mieux. Je suis calme et détendue. Enfin, nous sommes arrivés. La portière de la voiture à Pernouvette, nous entendons Jacoby! Jacoby! Je tire fort sur la liste car je veux me rendre le plus vite possible auprès des enfants. Et Madame Eve peine à me retenir. Il y a plus d'une douzaine de mains sur moi. Tout le monde veut me câliner. Ah! Oh, je suis si heureux. Dring, dring! En moins de temps qu'il ne me faut pour rattraper une balle, tous les enfants sont rentrés dans l'école. Je me retrouve seule. Pour un instant, un nuage passe sur mon cœur. Viens, Jacobie, dit Madame Eve, c'est à notre tour. Excité, j'avance, puis, brusquement, j'arrête. J'entends des pleurs. Derrière le grillage d'une sous de, de jus, le visage caché dans ses mains, un enfant pleure à chaudes larmes. Mon cœur devient tout triste. Doucement, je tire sur ma laisse pour demander la permission d'approcher. L'aide enseignante près de lui nous chuchote que l'enfant s'appelle Jacob. Arrivé de l'Alberta à la fin de l'été, il n'a pas encore eu le temps de se faire des amis. Je m'approche du garçon et l'observe à travers le grillage. Je reconnais cette odeur. Ça me rappelle quand j'étais au refuge et que j'avais peur. C'était avant que Madame Eve m'adote. Je ressemblais beaucoup à Jacob. Je me sentais seule. Je m'accrochais à ma cage et j'hésitais à aller vers les personnes que je ne connaissais pas. Je jette un coup d'œil vers Madame Eve et lâche un petit gémissement. Ma maîtresse hoche de la tête, elle a bien compris. Je fais aussitôt le tour du grillage, m'approche de Jacob et pose ma tête sur sa jambe. Tranquillement, j'aperçois un petit œil brun qui m'examine entre les doigts, puis un deuxième. En un instant tout change. Un sourire tremblant apparaît sur les lèvres de Jacob. Il essuie ses larmes, me regarde encore. Il se relève doucement, avance la main, hésitant. Madame F dit tout de suite Bien sûr, tu peux. Jacob me flatte la tête et ensuite le corps. Je sens que son cœur sourit. Je me colle contre lui et me laisse caresser. What's his name? Euh, s'il vous plaît, madame. Jacob. Oh, almost like me. I'm Jacob. I'll hold easy. Six ans. Eh, hey, same as, euh, même que moi, s'exclame Jacob. Wow, c'est super, répond madame Eve. J'aimerais beaucoup avoir un chien. L'ange Jacob. Les yeux de Jacob croisant enfin ceux de Madame Eve et de l'aide d'enseignant. Je pourrais courir, je pourrais lui lancer la balle. Courir with him, euh, avec lui. He could be my friend, but I can't. Ma mère est allergique, euh, allergique aux poils d'animaux. On dirait maintenant que Jacob ne peut plus s'arrêter de parler. Jacob, même si tu ne peux avoir un chien chez toi, tu peux voir Jacoby à l'école. Il sera ton ami, dit Madame Eve. Je place alors ma patte sur le genou de Jacob en signe d'amitié. Je sens une chaleur dans mon cœur. Je crois bien que Jacob a ressenti la même chose. L'aide enseignante demande alors à Jacob s'il se sent prêt à aller dans sa classe. Les yeux de Jacob se remplissent à nouveau de larmes. La peur est encore là. « Je ne connais personne. They laugh at me. Je ne parle pas comme eux. » lance Jacob. « Tu sais, Jacob n'a pas le même langage non plus. Lui explique Madame Eve. Mais petit à petit, tous les élèves de ton école ont appris à le connaître. Maintenant, ils ne veulent plus qu'il s'en aille. L'aide enseignante suggère. Peut-être que Jacobi aimerait te présenter ses amis. Wow! Comment? Prends la laisse, Jacobi va te guider, lance Madame Eve. Les épaules de Jacob se redressent, ses joues sont moins rouges et il avance fièrement. Quand nous arrivons à la classe de Jacob, tous les élèves à leur pupitre se retournent. Quelques-uns viennent nous entourer. Ils trouvent Jacob chanceux d'avoir passé du temps seul avec moi. Ils lui adressent toutes sortes de questions. Jacob cherche ses mots, hésite, mais répond en souriant. Avant d'aller prendre sa place avec les autres, il me chuchote à l'oreille. « Merci, Jacobi. I love you. You have… Euh, tu es un cœur avec quatre pattes. » Madame F se penche alors vers Jacob et murmure doucement. Jacobi aussi a un secret pour toi. Lorsque tu te sentiras seul, ferme les yeux, mets tes mains sur ton cœur. Même s'il n'est pas à tes côtés, tu peux ressentir que Jacobi t'accompagne. Avec ce que tu apprends et avec ton imagination, tu n'es jamais seul. Jacob va s'asseoir avec un grand sourire. Les lits de lecture et d'autres enfants m'attendent. Alors, avec Madame Eve, je dirige mes quatre pattes et mon cœur ailleurs dans l'école. Mission accomplie, me murmure tendrement à l'oreille, Madame Eve.